Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de La Réunion. Bonjour à toutes, bonjour, bienvenue sur Canal Austral Piment TV, comme tous les semaines, plaisir créole aujourd'hui. Eh bien aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir aussi encore la bande à Calix avec, avec Claude Les Oreilles qui est de retour actuellement. Donc nous, ça fait la cuisine purement de chez nous. Cuisine un peu malangue comme il dit ça, c'est-à-dire que c'est une cuisine, ils sont de la rivière. Et donc dans la rivière, que ça nous est là, on est à cabot, on a chevrette, on a tilapia, on a zangui. Ah, m'a dit zangui, oui, on a zangui. Ben aujourd'hui c'est Carizangui qui attend à nous dans plaisir créole. Là, pareil, on a 5 kilos zangui, ça rodait. La partie rodait depuis grand matin, enfin depuis hier, hein, la mettre la ligne, on a un peu la pose. Vous ne connaissez pas comment on l'a fait. En tout cas, on a à peu près 5 kilos zangui qui attendent nous aujourd'hui dans l'émission plaisir créole sur Canal Austral, sur Piment TV, mêlé sur la route. Ah, tout est bon, tout est prêt, on a les épices qu'il faut, on a tout ce qu'il faut pour que nous passions un bon moment ensemble dans l'émission plaisir créole avec un bon carré zangui. Et puis après, si on mange pas zangui, ben il paraît qu'il y a un coq là-haut, on va faire un petit carré coq pour autre, ou bien un petit civet coq, ou bien un massalé, mais ça n'y croit pas trop, hein. Et ça doit faire avec, hein. En tout cas, nous monde nous retrouve là-haut tout de suite avec Calix, chef d'orchestre aujourd'hui dans l'émission plaisir créole avec son carré zangui. Mais bon, allez, à tout de suite. Bonjour Jean-Claude. Comment allez-vous? Vous avez déjà habillé? Ça m'a amené là. C'est mes clans. Les auréoles. Un revenant. Tu sors où? Eh ben, je sors de métropole. Ah bon? J'étais chez moi en Bretagne. Ah ouais? Ouais. Non, mais je croyais que c'est chez toi, c'était à La Réunion, moi. Ah ben, c'est La Réunion chez moi maintenant, oui. Ouais. Mais j'étais deux mois, quoi, là-bas. Deux mois, hein, oui. Voir la petite famille, et puis... Oui, je suis allé à Mada avant, oui. Ah, oui d'accord. Oui. Alors, donc, 3 mois que tu n'étais pas là. Sans te voir. C'était ouais, long, hein. Ça, c'est malheureux, hein, quand même. Oui. Heureusement, Calix a voilà. Pu te chauffer pour te ramener un petit coup, hein. Voilà. J'ai pris au vol. Tu l'as pris au vol? Entre deux vols. Parce qu'il faut dire que, Claude, tu repars encore cette semaine après? Ah non, je. Probablement en fin d'année. Hein, mais pas avant. Pas avant. Ah, non. Bon, je vais rester quand même avec les amis quelques temps. Ah, ouais, tu vas rester un petit peu. D'accord. Donc, Calix, nous attendons quelqu'un pour faire des épices. Ben, en plus, ce matin, on aurait côté l'idée après, des madame regarde à nous et dit, hey, monsieur, plus bien l'ail, coupe bien les oignons. Hein. Ah bon, qu'elle me dit, oui. Ah bon, elle a bonne mémoire, la dame. Hein. Ça fait quelques temps pourtant que... En plus, elle fait partie de la famille de mon ancienne famille. Ah bon, hein. D'accord. Alors, connais moi bien aussi. Là. Ah ben super. Alors, Calix, aujourd'hui, c'est quoi là le menu? Aujourd'hui, nous avons... Mais toi, un petit peu, mais cherche la lumière, vous l'avez vu, hein, comme ouais, ça. Ouais, ah, ouais. Là, voilà, la lumière, elle est là, aujourd'hui, nous, ça fait un petit peu manger, comme d'habitude, hein. Ouais, comme d'habitude. Le même blabla. Ah, ah. Mais là, aujourd'hui, nous fait un petit peu zangui. Ouais. Ben, zangui, on a un petit peu sevakine, on a fait un rougail. Après, un poulet, nous connaît pas si ça fait carré créole, bien rôti. Mais bon, là, donc, du coup, ça te porte la pièce, c'est un carré malangue. Malangue, carré malangue. C'est quoi ce carré malangue, là? Explique un petit coup, parce que tout le monde ne connaît pas carré malangue, c'est quoi? Mais quand, à l'époque, quand t'es dit, t'es, ou l'aime petit carré malangue, là, ça veut dire zangui. Malangue vient de la rivière. Ah bon? Ben, le malangue. Le malangue, c'est le zangui, sort de la rivière. Et carré malangue, c'est carré zangui. Ah bon, carré zangui. Donc aujourd'hui, c'est carré malangue alors. Malangue. Et l'eau, ça fait aller en carré. Fait aller. Ben, nous mettre ma salée tout aujourd'hui. Ah, mettre ma salée dedans. Mettre ma salée dedans, ben. Bon, les anguilles, ça cuit vite, ça, non? Ça cuit vite, ça, comme poisson. Les anguilles, les gros et costauds, là? Ben, un peu les gros, un peu les petits, mais ça va aller. Ça, ça vite. Il faut dire que c'est pas anguilles d'importation, quoi que ce soit, c'est vraiment. Ah non, non, ça sort. Ça sort trou de fer. Connais trou de fer, comment ils descendent là-haut? Ben, ils sont en hélicoptère, là-bas. Ben, maman, elle, il prend hélicoptère le matin. Ils sont.
l'idor chez la place, il y a même son mari, il fait qu'il mange tout, hein. L'endemain, l'hélicoptère apprend. Ah, ben, mi diaw, ça donc. Il faut lui vendre nous en guillard. Ah, ben, maman, il a pas vendu. Moi, il a un camarade, moi, on a un service. Ah, mais quand il monte. Coucou, alors. Quand il, ben, coucou, Jean-Marc. Mais bon. Ben, et quand il monte, là, il a moins 40 kilos, hein. Ah, ouais. Donc, les gars, il gagne pas. Donc, les anguilles, le prix du kilo de anguilles ici à la Réunion, là, combien à peu près? Allez, 30, 40 euros le kilo, je peux dire. Les chers camarades d'Ali, ils connaissent les ventes 30 euros. Ouais. Mais normalement, on peut payer 40 euros, 45 euros le kilo de anguilles. T'as l'air, les anguilles, le même prix bichique, Calix? Oui, ben oui. Ben, les anguilles, les plus rares bichiques. Et puis, la chair, elle est faite aussi, hein. Ben, faut dire qu'on te mange un carré poisson rouge, les anguilles, vaut mieux manger les anguilles. Les deux les bons, les deux les bons, mais ouais. Poisson rouge peut-être trouve plus les plus accessibles. Ouais. Mais tandis que les anguilles, la rivière à la Réunion, n'est pas facile pour trouver. Nous aurons le temps de rediscuter ces anguilles amal, ça non? Ben, je ne connais pas. Il y en a un gros amal même. Ben, un gros amal. Espère, il tourne pas nous. Peut-être qu'on aura la lit. Les voilà. Claude, toi, en métropole là-bas, tu mangeais des anguilles? Des anguilles, oui, il y en a des anguilles. Oui, ah oui, bon? Dans les ruisseaux, oui. Dans les ruisseaux? Oui. Et on les cuit à la braise souvent. À la braise? Oui, on les fait griller, quoi. Grillé. Oui. Zanguille grillée. Oui. Elles sont un peu moins grosses. Zanguille grillée. Malangrillée. Mais elles sont un peu moins grosses que les vôtres. Bon, il faut qu'elles soient fines quand même pour les griller. Si, il y en a des fines là. Il y en a des fines là, oui. Il y a des mannequins, Zanguille mannequins. Zanguille mannequins. Bon, ben nous savons ça alors. Allons, gars. Bon, ok alors, hein. Allez, nous savons ça. Oui, c'est des anguilles comme ça, comme les petites là qu'on a fait. Mais quel est l'anguille là, il costaud ça? Tu les as encore dans la bouche? Ben, il y a encore dedans, il faut m'y aller. Ah. Et l'anguille costaud, hein? Ça, l'anguille mal même. Hein. L'anguille mal. Ben. Hein? Ça me le meilleur. L'anguille gris. L'anguille gris. Gris. Okay, mais gris. Nana, il fait au moins quoi? 1,5 kg, 2 kg? Ah, il fait 2,5 kg. 2,5 kg, Nana? Ma pèse avec 2,5 kg, ben. Ah ouais? Ben. Après, il y a des anguilles aussi gros que ça. Hein? Non, je ne crois pas. Ouais. Et donc après, au total, on a combien de kilos d'anguilles là? On a 5 kilos. 5 kilos, hein? Ah, bon, peu de monde vient manger aujourd'hui. Ouais, 5 kilos d'anguilles, hein? On va dire comme chez Clinaz encore. Ouais, ouais. Mais il finit bien mort, hein? Ouais, très fine bien mort. Mat, comme on dit en malgache. Après, on a chevakine. Chevakine? On va mettre à y tremper. On fait mettre chevakine trempée alors? Ben. Ouais. Il est trempé, nettoyé, propre tout à l'heure. Et ça, je ne sais pas qu'il ne sort pas de la rivière, donc il faut là, côté chez moi, ça. Hein? Non. C'est côté un petit peu plus loin. Ça sort plus loin. Ben, dans la partie rode ça ou ça dans la forêt même. Parce que Chevakine, hein, vous connaissez que Chevakine, ben, il appelle ça en bon français. Ah, mais quand c'est Claude, excusez-moi. Hein. Claude comprend mieux le français. Nawa. Non, ben, je Nawa. Comprends, vas-y. Claude, y a pas de soucis. Hein, les Chevakine, hein, c'est des krills. Les krills. Des krills. Et tu sais, qui mange des krills dans la nature? Les baleines. Le requin baleine aussi mange des krills. Oui. Et les krills, c'est des petites crevettes hein, qui flottent à mi-eau. Hein. Et donc, ben, c'est comme ça, c'est des chevakines. Des krills alors. Des krills. Comment ils font krills? Ah, m'y connais pas, la demande par moi. Non, vous me criez, des krills. Hein, non, mais attends, nous fais un peu l'autre intéressant, les oreilles que nous en disent. Ah, c'est pour ça, parce qu'il y a les oreilles. Voilà. Ben. Non, parce que si tu parles avec un métropolitain là-bas et tu lui dis que j'ai mangé des chevakines, il s'est passé quoi, hein? C'est vrai. Tu dis des krills. C'est vrai. Tu dis des krills. Ouais, voilà, des krills. Voilà, il va dire, tu manges des petites crevettes minuscules comme ça. Oui. Ah, et Kalik, où ça fait ça, comment, là? Ben, Rougaï. Rougaï, normalement là, un pays gris pile. Ouais. Après il fait la sauce tomate avec piment d'affaires. Ouais. Mais moi, il essaye comme ça même. Vous l'essayez comme ça même? L'essayez comme ça, mais rougit aille bien. Ouais. Donc vous pile pas les hein? Mais pile pas les. Ouais. Il fait penser moi, un camarade, un joueur, il fait une paella. Hein? Et Claude, regarde, écoute ça, tu verras. Et ben, il a fait une paella et pour augmenter la sauce et le goût, il a pris des chevakines comme ça, il a écrasé, oui, il a mélangé avec sa paella. Oui. Ouais. Ah, la sauce a été plus épaisse. Voilà, et... voilà. Bon, ouais. Pour avoir une avec sauce plus de goût aussi. Voilà, hein. Pour avoir une sauce un peu de crustacé, parce que tu connais les langoustes, hein? On a ce qu'on appelle les langoustines. Non, les langoustes. Les bistres de langoustre. Oui, la bisque de. La bistre de langouste, hein? C'est-à-dire on prend la langouste, on écrase. On écrase et voilà, on fait la bistre. On fait la bistre. C'est-à-dire, c'est une sauce. Une sauce. Hein? Ah ouais. Oui, et qu'on mélange ensuite avec la langouste ou avec autre chose pour donner on un goût de langouste. Les pâtes, la tête, et puis ça fait la bistre. Ça s'appelle bistre. Ouais.
La bistre. Sur l'armature. Voilà. Ouais. Calix, soit vie, moi aussi, je connais un petit peu. Ah, t'es. J'aurais pas pour Maya, ouais. Ah, midi, aussi, c'est un net, moi, que je crois. Après, on a notre affaire. Mais notre camarade là-bas, qu'est-ce qu'on a fait que ça, là? Ça. Ouais. Là, allez. Mais ça, c'est un coq, ça. Ah, moi, bien, moi. Ah, bien, moi, hein. C'est voilà. Pas nous qu'on pas si faire rôti avec. Ouais. Si nous faire carré, un vrai carré créole. Ouais. Un instant d'avoir bonne manger que c'est ici. De toute façon, nous nous dessinons au feeling, ouais. Oui, oui voilà, fait, voilà. Programmé, ben, oui, regarde, oui. Et puis après, ben, la fête. Après, hein. Après nous voir que ça y fait. Ben, il est bon, là. Ok. Bon, ben, nous attaque. Hein? Ça attaque, là. Voilà, et comme d'habitude, Claude dit dès qu'il arrive, les épices. J'en profite quand même pour faire un petit coucou à nos amis de Canal Austral, hein, oui. Parce que ça fait quand même quelques temps qu'on ne les avait pas vus. Ah, hein? Non, mais toi, tu ne les avais pas voilà, vus. Voilà, hein? Eux ne m'avaient pas vus. Nuance, voilà. Hein? Voilà. Ouais, ouais, et ça fait bien plaisir. Maman, ici, tout au moins Saint-Louis, là-bas, non, dans la brocante. Oui. Pas tu fais la brocante, moi. Yeah. Ben, pas tu vends un peu toutes les affaires, ils traînent la cale. Pas tu vends, moi. Ah, vous la faites vite grenier aussi. Un vite grenier. Ah. Mais tu vois, maman, après, là, quand mon bon moni vend l'arrivée, là, moi, je fais le tour à la brocante, je garde toujours, je me trouve un petit affaire. Je trouve un petit lampe à souder, là. Ouais, ouais. Pas tu me l'acheter. Après, je trouve maman, elle appelle Fiamain. Fiamain Coucan. Ah. Maman, puis ton sein, elle est diamantée. Les gars, là où tout le temps, une télé là, moi, fais plus ça bien, ouais. Ah. Elle a dit, on a des points chez les autres, ouais. Ah. Comme ça, il dit, moi, ah mais bon. Dis pas ça, hein, ben, ah. Non, bataille avec moi, d'affaires. Fais un petit coucou, coucou, il appelle, coucou, Fiamain. Les bons, alors. Et on va faire aussi un petit coucou à Dominique, qu'on a vu ce matin, lorsqu'on a acheté oui. Les Dominique, fais un petit coucou, on y est là, Dominique, comment ça brille ça, je ne vais pas pouvoir te dire son nom. Je ne sais pas comment. Après, l'autre est madame Moidom. Ah, oui, donc, ça, ce matin, quand tu fais les courses, ça trouve bonne l'idée là. Voilà. Donc, il profite de l'idée au prix, c'est André. Enfin, comme du quartier. Quartier français. Voilà. Voilà. Ben, elle est bon, alors, ok. Et Claude, hein, toi, toujours avec les épices, ben, tu prépares quoi là je vais plus l'ail. Je vais plus faire les oignons. Hein? Je vais faire les, ben, tout ce qu'il faut pour. Pour mon chef. Voilà. Ah, il n'y a pas de chef ici, hein. Bon, mon Cali, chef Christo. Mais heureusement, il a rien dit, parce que quand il était pas là, on était emmené. Ah, t'es emmené, des épices, t'es pas comparé, là, les parés. Oui, on était en retard, nous, dimanche, 3h, 4h d'après-midi. C'est faux, ça. Oui. Je crois pas, je crois pas. Oui, mais quand t'es là, on va manger plus tôt. Tu crois? Hein, ben oui, parce que t'as condition, le coup de main pour préparer les épices. À condition que je mette le feu sous le riz, hein. Tu te rappelles, la dernière fois? Une fois, t'as oublié. Oui. Mais c'est normal, c'est humain. Hein? Oui. Ouais. Et comme d'habitude, on a le petit seau dans lequel on met les épluchures et ensuite on met ça dans le bac à compost de l'autre côté. Voilà. Et on reste écolo. On reste écolo, ouais. On est écolo, nous, chez nous. Ici, oui. Plaisir créole, sur Canal Austral. Voilà. Sur Piment TV. Hein? Ok, Calix. Calix est en train de. Je regarde une frigidaire là-bas, de Rotten Rod, une affaire pour y boire un coup, non? Oh non, je crois pas. Je crois pas, non? Non, non. Un petit peu de l'eau pour y boire. Un petit peu de l'eau, ouais. Il transpire là. Ah hein. Oui. Ouais, ouais. Ok, bah écoute, nous continue, la suite après. Ok, tout à l'heure. Alex, ça c'est de l'eau pour quoi ça fait bouillir là hein? Il fait bouillir un petit peu de l'eau pour moi. Tiens, le glu zanguille là. Nettoyer le zanguille alors. Ben, nettoyer. Ah bon hein? Tu peux le chaud. Vous enlève pas la peau, raco. Ben, on a deux solutions. Hein. Si un zanguille, vous connaissez l'histoire d'un bassin de la boue. Hein. Dans la boue, hein. Tu tiens la peau le meilleur. Ouais. Mais là, le zanguille ne sort pas dans la boue. Ouais. Donc, tu tiens rien que le glu. Ouais. Le glu, le malang. Le malang dessus là. C'est pas le glu là, même il vient le terme malang. Malang, oui. Ben, hein? Et on enlève le malang, ben après il est bon. Juste bon. Trempe avec dans l'eau tiède. Ouais. Et passe un gratte marmite dessus. Mais bon. Tu peux. Mais pété, nettoie ça avec feuille corbeille d'or. Ah, longtemps, oui, ben, corbeille d'or. Bon, feuille corbeille d'or. Ouais, hein? Corbeille d'or, c'est par. Comment ça mayonnaise, hein. Non. Ah non, 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 non. Non. Ben, notre cobaye d'or, le mettre sur notre bouteille. Ouais, ouais. Ben, le cobaye d'or, c'est une plante, la Réunion, on en a beaucoup. On a flair rose, flair blanc. Ouais. Et comme il monte ma fat, des fois, on a des endroits, mais il retrouve ça. Et c'est pas lui, il donne un petit fruit noir, il appelle ça cacamatin. Hein? Ben oui, t'es, oui, ça même. Mais non. Il vient noir. Bien noir. Ben.
T'es mon ça, nous. Ben, longtemps que t'es ça. Ben, remplis le vent texan, nous la faim. Ouais. Claude, tu m'as dit que les anguilles chez toi, là-bas en France, là, hein, tu oui. les fais griller. Mais on les dépouille, on enlève la peau. Tu enlèves la peau. Comme, comme un lapin, si comme tu veux. Lapin. Tu vois, on la dépouille complètement. Ouais. Et puis, on la passe sur le grill parce que c'est quand même une viande assez grasse, hein, ouais. l'anguille. Donc, ça se grille très, très bien. Oui. En barbecue. Oui. Je sais pas si je pourrais manger des anguilles grillées, moi. Ah, ben ça doit être comme un poisson, je sais pas. Ça doit être comme un poisson grillé. Ouais. Oui. Parce que même. Voilà, c'est cela. Ouais. Comme on a fait. Avec les saumons. Hein, avec le saumon, voilà. Ouais. On avait fait sur une feuille de banane, de bananier. Mais là-bas, on la met directement sur le grill. Et puis, on arrose un petit peu avec du citron. Et puis... ouais. Parce que l'autre fois, Gigant, Jean-Claude, il disait à nous, lapin. On peut éplucher ou bien on peut gratter. Ah oui. Rappelle ça. Ouais, mais rappelle ça. Mais la pince où on gratte la peau est dure, ça. Ah oui. Ben, mais connais pas, il a dit ça l'autre fois. Ouais. Justement, il excuse Ali parce qu'il est pris avec travail là-bas. Mm-hmm. Connais le Breton, il fait beaucoup de sol dans la ville en ce moment. Il est très pris avec le boulot, il dit bonjour, Canal Austral. Mm-hmm. Et il était content, il a fait passer son clip. Ouais. L'a envoyé moi un texto pour dire moi. On l'a fait clip pour autres là. Ben, clip pour autres à la télé. La dit moi comme ça, il était au conseil municipal, tout le monde a dit ouais, il dit Malbara, il passe bien, il dit aussi, il était content, hein, il fait pas ce clip. Ben, il dit aussi à Joseph en ce moment, mais il connaît pas Canal Austral ira là. Ben, espérons que ça dure, hein, que ça dure, Canal Austral et Piment TV, parce que Piment TV, bien entendu, bientôt, bien c'est sur Orange, hein. Oui, sur Orange. Sur Orange, ah oui. Oui, actuellement, on est sur SFR. Ah, d'accord. Et là, d'accord. Bientôt, on sera sur Orange. Parce que là, on a regardé Piment TV en métropole, nous, hein. Sur Internet. Sur Internet, voilà. Calix, on va chercher les. À l'Europe des épices. Les épices. Dans Jean-Claude. Dans le jardin. Jean-Claude, okay. Daniel les jardiniers. Daniel jardinier, parce que Jean-Claude pas trop jardinier, hein. On a le nom seulement de jardinier, mais bon. On contrôle chaque nana dedans. Ouais. Pas trop grand. Mais bon, ok, Claude, ben on y va alors. Alors on y va, on va aller au jardin. Allez, on y va. L'autre fois, ils disent en fait, ils s'amènent une plante pour lui, hein? Contre la goutte. L'autre plante est là. C'est quoi? Ça, raquette tontue. Raquette tontue, c'est bon pour la goutte? Oui. Ou t'es si. On a flair, on prend flair, ou bien on prend un petit coton comme ça, là, coupe à lui. Hein? On laisse de l'élan couler, on lave bien. On fait bouillir des fois dans la semaine. Ah bon alors? Ben. Ou t'es né, bon, on fait pour la goutte de mon fils, moi, hein? Ou ça est bon alors? Ben, dernièrement, c'est un grand monde Saint-Louis, dis-moi ça. Ah, ben. Mais la bon, fleur est belle de cette plante-là. Cette fleur, c'est ben, à la forêt étant salée, il y en a beaucoup. C'est un autre, hein, c'est le plat. C'est de là, il est en triangle. Oui. C'est la balle, c'est plus sinon, le c'est plat. Plat. Le plat qui est monté en moi. Oui. Ah. Et m'amène un peu pour moi. Les bons alors? La fleur, ça, des tortues, moi, le bonne fleur. Ah, les bons. Tortues, moi, la pointe a trop volé, comme là. Là, il manque tortue, comme là. Ben. Ça peut être là. Soit un petit peu le thym. Un peu le thym. Ça sent bon. Hein. Oh là là. Mais tu n'as même pas besoin de le mettre au nez. On le sent dès que tu le coupes. Ah ouais. Oui. Et vous avez vu le coton midi, il est en fleur cette semaine, hein? Ça met un petit brosse quand même. Petit brosse coton midi en fleur. C'est quoi ça? Ça, c'est de la coriandre. Coriandre, les graines massalées dans la terre. Ça sent bon, hein? Vert, très bon. Après, il faut aimer, hein? Il y a des gens qui aiment pas. C'est très bon. Hein? Très il y a des gens qui aiment pas ça. Pas tout le monde y aime. Ouais, et Calix, c'est des fois que ça, dis-moi, où ça peut une bonne de monde y aime pas quand on me dit là? Vous avez la pointe, la moelle aux autres qui ont? Maman, il a dit où ça? David, Néba. Il a dit, quand on me dit, mettre la moelle dans le cœur. Ah bon? Après, maman, il répond à elle, il dit, mais sous la pointe ici. Vous voulez dire, sous la pointe en tine ici, quelle la moelle dans le cœur? Ça plante avec quand on me dit. Non, après, elle dit comme ça, Népé, quand on me lit dans les autres rapports, et d'autres n'y aiment pas, pas tout le monde y aime. Ben. Ouais. Et vous avez ouvert aussi les en fleurs, hein? Ben oui, là, ben, le fleur d'or. Actuellement, là, hein? Ça, les bons fleurs au gaille.
Ouais, avec les fleurs. L'arc de la Maurite, ça là. Bah. Ah, ouais. Comme ça, un morceau d'oignon aussi. Un morceau d'oignon, non. Un morceau. Gingembre. Gingembre, parce qu'il y a là, gingembre sur la terre, rien. Ça va, il est là-bas. Ben. Pas là-bas. Là, regarde, là, normalement, là. Attends, oui. Ah, il est allé. Ben, comme d'habitude, hein, sur la terre, ici, il y a un beau pays de gingembre. Ici, voilà. Voilà. Un ravintzara aussi. Ben. Ah, ça a l'air quand tu en as, ça. Ah, ravintzara dans toute la cuisine créole, on a toujours un peu de ravintzara. Hein. Oui. C'est du 4 épices, ça, non? Oui, 4 épices. Ah, Claude, oui. Claude a suivi la leçon. Non, je pas. Hein, c'est 4 épices, ravintzara plus petit. Après, où tu sais les oreilles? Il connaît plus que nous. Bah, voyons. Allez, tout notre travail ici, la réunion. Bon, attends, moi, prends un petit peu PSI. Voilà. Le piment, t'as l'air, prends le temps pour rendre des piments, mettre de nos rougailles. Prends pas salade tout de suite. Salade, prends deux pieds salade, non? Prends deux pieds salade, parce que là, le salade, là, il a grossi tellement vite, là, ces derniers jours-là, que oui, s'il mange pas, là, après, il est plus bon, hein? Ben oui, si elle monte, c'est plus bon. Un pied assez. Un pied assez? Ah oui, elle est énorme. On n'est pas trop des gros mangeurs de salade, nous, hein? Oui, ben, hein? Si on mange plus la viande, nous, non? Peut-être Claude, il mange ça, mais. Ouais, ça vous fait les bonnes oreilles, là-bas, ben, il aime bien salade, Zot. Ça, c'est quoi, Calix, déjà, c'est des brins de... Brins de Mafane, Jean-Claude. Ben voilà. Je cherche le nom. Ils ont les brins de Mafane. Ils ont les Madagascar. Ça, c'est de Mada, oui. On a brins de Mafane. Ça donne la bouche un petit c'est ça, peu... C'est ça, ben. Il y a mal à la bouche, comme il dit en créole. Ouais, ouais. Enfin, il y a anesthésie en français. Ben, voilà. Je n'ai mal aux dents, mangez-y. Massez-y. Bon, on apprend un petit coton bien dur. Caloupilé. Caloupilé. Première fois nous servaillons. Ah, il finit de grandir un petit peu, il est bon. Ça va, là. Ça va. Là, il est parti, là. Ça, c'est un carreau, là. Ouais. Ça pousse bien après ça. Daniel, il a oublié de déplacer le caloupilé parce qu'il n'était pas dans le soleil. Ouais, dans le soleil, il pousse bien le caloupilé. Ouais, le soleil. Claude, les bons piments, on en ramasse après. Ouais, il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses. Mais c'est en hiver, Claude, hein. En hiver, il n'y a pas beaucoup de piments, hein. On arrive au printemps, hein. Ah, au printemps. Il y a printemps ici à La Réunion? Je sais pas, mais normalement c'est la fin de l'hiver. Après la fin de l'hiver, c'est... C'est le printemps. Ouais. Bon, le printemps, il dure 2 ou 3 jours chez nous. Hein. La transition hein, entre l'hiver et l'été, c'est le printemps. Hein. Et le printemps, chez nous, c'est 2 ou 3 jours. Hein. Nous, c'est 3 mois. 3 mois. Ouais. Et le printemps, c'est quoi? C'est les plantes qui commencent à bourgeonner. Voilà, voilà. Hein. Oui, les fleurs qui... Ouais. C'était une bonne période pour nous. C'est une bonne période, le printemps. Ouais. Et pourquoi on dit à chaque fois quand quelqu'un fête son anniversaire qu'il fête son énième printemps? Printemps, parce que quand on arrive le printemps, tout repart, tout la végétation, tout repart. Donc, on hiberne pendant 3 mois et après on revit. Voilà. Ah, donc le printemps, c'est, bah, c'est la source de. De vie, de vie. Voilà. Pour la végétation, donc, comme pour nous. Voilà. Donc c'est pour ça que l'on dit, ah, on il va fêter son énième printemps. Pour moi, c'est le 20e. Ouais, bien sûr. Mais bien taché quand même. Hein. On compte plus, donc c'est pour ça que tu as arrêté de compter le nombre d'années. Absolument. Bon, ben ok, alors on y va. Allez, on y va. Alex, qu'est-ce qu'on fait là? Là, mes campagnes de l'eau chaude. Ouais. Voilà, toute son malangue là, il s'appuie là. Hein? Claude, tu me donnes un coup de main, Claude? Ben écoute, je ne saurais comment faire. Allez, tu passes la main sur moi, ici, comme ça. Toi, tu épluches, tu sépares. Oh là là. Voilà. Ah. D'accord? Là? Ah, d'accord. Après, s'il y a un petit peu qui ne sent pas bien, on prend le fer. C'est même pas la peine. Là, tu as l'air de bien s'en aller. Voilà. Ah, c'est tout? Je trempe, toi, tu fais ça. Pas plus que ça, Félix? Non, non. Et là, c'est un gros, là, hein. Ah, j'aime pas. Des bêtes anguilles, j'aime pas ces bêtes-là. Moi. Ah, moi non plus, moi, je touche pas. Oh là là, pas, hein. Ça me fait penser Me demande même pas de toucher, je touche serpent. Pas. Oh là là. Bon, ben, Calix, hein, je ne suis pas très doué, là. Il n'y a pas besoin d'être doué. Ben, tu es doué en tout, toi. Allez, là, t'arrives. Voilà. Donc là, il a une pellicule blanche dessus. Et cette pellicule blanche-là, tu peux enlever. C'est ça. Eh, hey, Zangui, il n'y a pas des cailles, ça. Zangui, pas des cailles, lui. Pas des cailles. Ouais. Ou pas la tête. La tête, il mange, hein. Est-ce qu'il y a un coup? Est-ce qu'on raffait après? Ah, normalement, il est bon, là. Normalement, là, il est bon. Sur ma langue, il se va, là.
Il là, ça y trempe un petit peu plus. Ouais. Et c'est suffisant. Dans un guindre, ouais. Il bouge encore. Ah, il va bouger, l'instant, rien. Y'a où, Claude? Oui. Là où le petit, là. Oui, le petit, je vais pouvoir le faire. Dès qu'on trempe dans l'eau, il devient un peu ouais, plus grand. Hein. Il sort des ailes, là. Passe la main d'ici comme ça. Voilà. On lève tout. Voilà, là. Tout le malin. Claude, t'as pas peur? Si, un peu, oui. Non, j'aime pas trop ces bêtes-là, moi. Ça me fait penser au serpent. Ouais. Ah là là. Hey, t'as du courage, hein, parce que même si t'as peur. J'ai pas peur, mais ça me fait quelque chose. Ouais. Bon, faut la remettre dans l'eau, là, parce qu'il n'y a plus. Ah, moi je ne fais pas, je touche pas ça moi. Hein. Autre question. Hein. Et ça fait seulement un an ou deux que je mange les anguilles. Hein. Avant je mangeais même pas les anguilles. Hein. Ah ouais? Ah du tout. Là, tu grattes que le dessus, hein. Pas le dessous. Ah. Comme ça, oui. Après il devient blanc. Hein. Oui. Ben, en fait c'est un peu comme au Kaili, hein. Ben pareil. En fait c'est sur les écailles les minces. Ouais ouais. Il doit avoir une espèce d'écailles là-dessus. Ah bah si, quand même, ça s'en va, ton truc. Ça va bien, hein. Ben c'est la première fois que je tripote une anguille comme ça. Oh là là, tripote une anguille. Oh, hein. On peut appeler ça tripoter, je sais pas, mais oui, toucher, hein. Dis-moi. Ah, tu connais l'expression avoir une anguille entre les mains? Non, je ne connais pas. Je ne veux pas le connaître. T'échappes par exemple, hein. Tu fais quelque chose, rien ne marche. Voilà, ça t'échappe, donc tu dis que tu as une anguille entre les mains, quoi. On nous lague un petit peu d'huile. Bon, on va mettre. On va mettre les chauds. L'huile d'olive, alors. Ah, belle huile d'olive aujourd'hui. Tout le temps que nous avons un petit peu la monnaie, en plus c'est belle huile d'olive. Même. Ah, d'accord, ouais. Parce que l'huile d'olive coûte plus cher. Coûte un peu plus cher, l'huile. Ah, d'accord. Ça c'est pour faire un rôti coq. Hein. Le, ben, rôti, le coq, ça fait du rôti. Hein. Rôti. Ah. Ben là, mis ça Portugal dans une semaine. Ah. Mis ça à peu près pour 15 jours. Ah. Ça rend la visite des amis. Mais ça ramène l'huile d'olive nature là-bas. Ah, du Portugal. L'huile d'olive du Portugal, elle est bon, hein? Top, hein? Voilà. Mettez-vous dans l'ordre. Ah. Donc, ça, c'est le coq avec la pâte toute pour faire. Pâte toute. Là, vous dites rien. Donc, vous mettez dans l'huile là, tout de suite. Voilà. Ça. Bon. Vous y allez, madame. Mettez-vous dans l'huile là. Bon. Et après, où est-ce qu'il s'appelait? Après, non, pas mettre rien là, aucun épice, hein? Là, avant de mettre de l'eau, il a un peu de terre, 4 épices, gros sel. Ouais. Après, il laisse cuire. Après, il découpe. Et bon. Bon, laisse pas ébouler. Je fais une rougie. Là, on va taper de l'eau. Après, on a fait. Ouais. Et ça, c'est le terre, 4 épices. 4 épices et persil. Comment on mange ça en France? Un bouquet garni, dedans là. Voilà, ça rajoute un petit peu de sel, hein. Parce que Claude, t'en rends toujours le sel, lui, là. Ça va être des sels. T'as trouvé le sel? Ça va être des sels, c'est pas du gros sel, hein. Non. C'est pas du gros sel. Donc Claude, hein? Lui, il préfère aller prendre le sel à Diego que là, lui. Ah, bah oui. Et là, on voit, il est un petit peu plus là, depuis, hein. Voilà, premier coup valé de l'eau. Tu as combien? Non, bon sel, la grosselle là-bas. Et Calix, un rôti, c'est un affaire vite fait, ça, hein, hein? Les simples à faire, hein. Et... pas compliqué, hein. Bon. On va venir un petit peu la viande, mettre un bouquet garni dedans, un peu voilà. De poivre, de sel. Vous mettez pas poivre? Si, poivre un peu. Et après l'ail à la fin? L'ail et l'oignon à la fin. Non, mais normalement, il doit piquer là. Ça pique, il a des gousses l'ail dedans en même temps. Là. Si ma amie, la même. Mais bon, là. Un trou d'eau, mettez un ail entier alors. Hein? Ah, bois, lui, comme dit, bois canard. Voilà, un morceau d'ail entier à l'intérieur. Et quand on va découper, t'as l'air pour pouvoir retrouver. Ben. Et t'as trouvé le gros sel? Oui, il n'était pas encamé, alors j'ai eu du mal à le trouver. Il n'était pas dans un bocal. Ouais. Il est gros celui-ci. Là. Hein. Là,
gros, non? Il y a de l'eau, hein? Allez, mettre. Voilà, avec ça, les bols. Là, on la cuire, hein? Tu fais poivre, maintenant tu fais poivre, pour plop. Tu te plaques. No problème. Ça, ça fait poivre? Ben, là, m'y met un petit peu poivre. Ouais. Là, m'y met un plop, il y a moins un poivre blanc, poivre gris. Bon! Le poivre blanc, c'est quoi? C'est quoi ça encore? Tu veux du poivre du moulin? Hein? Poivre du moulin, tu le. Oui, mais le moulin là, il fonctionne pas trop bien, ça, l'autre jour, là, essayé. Vas-y, vas-y. Donc là, tu sort. Poivre. Sort. Oui, il sort. Ah, mais il sort à la loupe, hein. Il faut mettre la loupe en dessous pour voir, hein. Exact. Tu vois? On est si, on le sent quand même, mais bon, il vient pas doucement. Le dé, il monte, mais le grain, il sort pas. Bon. Là, on va mettre le poivre dans l'eau, là. Hein. Ben, oui, il est cuit avec. Là, il va sortir. Voilà. Ben, voilà. Là, hein. Oui. C'est bon. Là, quoi. Oui. Top. Voilà. Top. Si tu t'en sers du poivre du moulin. Ah, il y a une façon de. Et il faut l'ouvrir. Mais ça vient de métropole. Probablement. C'est normal. C'est normal qu'il ait un nous. Il y avait la réunion, mais on aurait gagné faire. Oui, oui. Allez, tu t'en opères aux anguilles. Eh, hey, ça, il faut faire stage pour ça. Hein. Faire stage. Comme un médecin chirurgien. Ah. Nous, médecins anguilles, nous. Quand il est blessé dans l'eau, les petits, il faut se soigner. Hein. Ah. Ben. On enlève tout son trip et tout ça. Hein. Tout. Ah, voilà. Et nous, encore les uns dans la bouche. Les uns là, il faut me tirer. Les uns dans la bouche, là. Ah, tiens, allez. Ah. Mais ça redaille, moi, là. Ah. Ben. Un peu de monde mettre le foie dedans, moi, je ne mets pas. Moi. Le foie anguille. Le foie anguille. Ben. Voilà, toutes ces trucs. Ce déchet. Voir son foie, hein. Un gros foie, hein. Ça, tu fais quoi, hein? Oh, ouais. Je m'amuse, hey, je tripote là. Arrête ouais. Les uns à la trapaille, là. Pardon? L'hameçon. Il y a encore le verre dedans. Ah là. Ben. Le verre, il y a encore, ouais. Hein? Il vient de Théa. Voilà ça ou là? Oh là là. C'est pour attraper les requins, ça? Normalement, c'est les hameçons comme ça, même pour Zangui, cette grossière-là. Oui, oui. Le cabot, c'est plus petit. Mais cabot, on peut prendre les aiguilles et les uns avec. Ah, ben oui. Et tu tries les krills? Je trie les krills. On dit plus, je sais pas, qui nous comme là, on dit ben, krill? Hein? On n'est pas créole, nous, hein? Ah, non! Et c'est tellement fin qu'il n'y a pas de passoire assez fine pour. Ah ouais. Pour ça, elle est ben, il y a tout le monde arrivé là. Ah. Ah, comment elle est, Yann? Elle est là. Elle est là. On donne un peu la main. On donne un peu la main, Zordi. Ben. La cuisine, Zordi, alors. Ah, tu me fais la dernière fois. Ben. Hein? Ben. L'escalix. L'escalix, alors. Ben. Les bons, alors, ok. Hein? Ben, il y a beaucoup de monde là qui est arrivé. Eh, ben, c'est qui ce petit mamzelle là? Yannaël. Yannaël. Bonjour. Bonjour! C'est coucou, un bisou! Contrôle bien un coup! Voilà, sauce finie! La glosille, voilà! Ouais. Là. Uh-huh. Bon, moi, découpe-y même! Là. Pas trop vieille! Ouais. Là où tu as sur le feu, ou découpe-y! Hein? Même ça, découpe-y! Et bon, après, on remet sur le feu! Après, il va mieux cuire. Là, mais mettre son oignon, son l'ail. Ouais. Là, ça y est, les affaires. Ah, là, on la tienne. Ah, son sauce, l'effet des ailes, là, ah, son couleur. On va mettre sa sauce là ou bien hein? Ah, ah, il y a la galette dedans, même moi. Il y a la dedans. Ben. Mais bon, là, ça découpe à l'ail, alors. Hein? Mais découpe à l'ail d'abord. Claude, t'es toujours avec tes krills? C'est terminé. Déplace ta marmite encore une fois, ah, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, on n'a pas une grande. Ah ben, remarque, on aurait pu mettre. Aïe. Non, là, la même le meilleur. Ah, un beau poulet, hein. Un beau coq, hein. Coq de Bresse. Ça pas Bresse, ça. Ah, ça pique. Ça la zige. Grand matin. Grand matin frais. On la coupe comme oreilles, hein. Des articules, pas comme oreilles, oui. Articules. Oui. Aux articulations, tu coupes. Articules.
Et là, faut que je repasse tout aussi plus long, c'est calou. Calou, pilon, c'est pas là. Ah, mais repasse-moi la tente. Ah, la menu là là, on repasse tout aussi un calou. On passe mieux. Là, tu repasses mieux, là. La tête, oui. Fon ayant des gars, tiens pour l'hameçon dedans. Ah oui, parce que Zanguier est trappé avec le zin, hein. Ben, viens tiens, gros l'hameçon, moi, dans la bouche, gros Zanguier. Là, comme ça, rajoute tu peux l'ail. L'ail, les oignons. L'ail, les oignons, hein. Là, on rajoute des oignons dessus, comme ça, là. Hein? Voilà. Ça faut épaissir la sauce. Ouais. Et puis ils mettent pour de manioc, ils mettent concentré, sauce marinade. Ouais. Ils peuvent mettre aussi. Mais ils ont une nature. À la créole. Maille pas. Et là, on met un petit peu de l'ail aussi dedans, ça va être un petit peu. L'ail, c'est pour ça que Claude est en train de faire l'ail là. Ah ben il pile, toujours. Il aime ça. Oh non, c'est pas que j'aime, hein, mais. Il faut que ça se passe. Ah, il faut que ça se passe. Il faut trouver quelqu'un pour. Il faut trouver, le faire. Voilà. Mais généralement, c'est toi. Je ne dis pas quoi, mais. Comment tu as dit? Non, j'ai rien dit. Le mariole. Il faut trouver quelqu'un. Il faut trouver un mariole. Ça commence par M. Oui, le oui. Mariole. Le bon clip. Là, un petit peu l'ail. Hein. Ben. Et Claude vient de piler. Il a mis ça à noyer un petit peu de l'eau. Ça va bien, ouais. Ça tient la poussière. Ah, les bons, c'est nettoyé, ça va. Revoyons dedans, tiens, tout ce qu'il y a. Ça, là, pour les bons. Pour la laver avec un petit peu de vinaigre. Lave un petit peu de vinaigre après, pour tirer son le dire les cruits là. Ma langue. Son le dire ma langue. Un petit peu de l'eau. Ben. Pour mon tailler en ébullition, moi, l'ico, la viande, me rajoute encore un petit peu. Bouge pas fait. Allez-y, mon petit ami. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, mon Johnny. Voilà. Laisse-toi aller. Là, on met son couvercle dessus. Mettre son bouchon, alors. Mettre son bouchon, alors. Mais bon, alors. Mettre le bouchon, alors. Ah. Calix, c'est quoi la chienne de tomate, là? La chienne de tomate. Ben, la chienne de tomate. Ah, nous y aimons la chienne, nous. Ah bon? Ça, c'est la chienne de tomate. Ou bien la chienne pour. La chienne pour manger. Ben, hein? La chienne. Ah. Ben. Non, parce qu'il y a beaucoup de choses, les chiens à nous aussi. Hein? Les chiens à nous? Oui. Ben. Chiens à notre cœur. Et quand on a un beau pays à faire aussi, les chiens, hein? Ôter la vie, là. Qu'est-ce que chien à mon cœur, Calix? Ah là 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 là. C'est quoi, hein? Bon, on a la chienne de tomate, on a la guichet. On a beaucoup de chiens, beaucoup de chiens. Et on a des chiens. Ben. Hein, beaucoup de chair, hein? Et puis on a le déchert des fois aussi à la fin du repas. Tu as des déchets? Le déchert, pardon. Le déchert, ben. Ouais. Non, mais là pour l'instant, c'est la chair. Il dit pas une sœur, il dit une camélite. C'est quoi ça? Ah non, mais ça, c'est quand il est dans le couvent. Ouais. Vous connaissez l'histoire camélite là-haut? Raconte-moi un coup. Raconte-moi. Raconte-moi un petit coup. Ben, un jour, Misa battait carré dans le couvent. On avait des amis au couvent. Pourquoi? On est passe pour gagner grand dans le couvent? Parce qu'il paraît au niveau qu'il rentre non, pas. Non, il rentre pas, mais après, moi, t'es invité pour faire un petit randonnée tout. Ouais. Pour aller dans la forêt jusqu'au côté le couvent. Ah bon? Après, nous marchons, nous battons carré. Et quand nous montons là, on connaît. Il y a des petits sentiers, il y a des petites collines, on appelle ça des collines, des petites crottes, ils montent. Après là, on a fini bien sympathiser tout avec Ban Carmélite là. Ben là, ils connaissent moi, Bouxeye. Ban Cher. Ouais, À un moment donné là, ils montent la côte comme ça. Il monte la côte, mais ouais, ça tombe, il recule. Vous connaissez quand on monte un côte où la peut être trop le mist là. Ouais. Recule. Pour l'accrochage. Ben, l'accrochage, soulier pas bon, il glisse. Ouais. Quand il a glissé comme ça, mettre des mains derrière pour tenir lui. Tu le tiens, c'est comme ça? Oui, mon des mains tombe sur ses fesses. Ah ouais. Elle dit moi, hé, hey, Calix, vous l'avez fait ça aujourd'hui, dernière fois, fait pire. Il dit ma sœur. Excuse-moi, pardon, il lève la main, bon Dieu, pardon. Mais si je ne mets pas mon main là, il tombe. Ouais. Après, ma dit, il me fait pire, ma soeur. Ah, entre bon. La vie et la mort, ben, choisir. Là, on a choisi la vie, ben, là. Ben, ça c'est comme de monde dire, on ne prend pas le sang, donne pas le sang. Hein. Si je dis ça, moi, il faut de l'aller. Bon, ben ouais. Aujourd'hui, ce n'est pas la soeur, hein, mais c'est la chair. Ben. La chair de tomate. Et comment ça fait vraiment avec la chair de tomate, là? Là, ça fait revenir un petit peu d'oignon. Ouais.
pour l'instant, avec un petit peu chevaquine, manger dauphin. Non, manger bonne requin-baleine. 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 Ben. Ouais, les raies aussi, les grosses raies montagnes mangent ça. Ben. Les krill. Et comment ça? Ah, les krill. Les krill. Ah, ça, c'est là pendant nous ça. Krill pour les oreilles. Ouais, ouais, non, krill chevaquine. On est à la Réunion ici. Non, hein, mais c'est des krill. Les krill. Ou les oreilles, nous. Alors, on écoute-moi. Oui, si tu veux. Mais comment tu l'écris, le krill? Ah, je le sais. Ma cousin créole, écoute. Oui. Vas-y, moi, comme ça. Mais répète comme ça. Oui. Non, des krill. Mais c'est la vision nationale géographique. Oui, oui. Mais ouais. si tu écris en créole, tu vas écrire un K. K-R-I-2-L. Peut-être qu'il écrit comme c'est ça possible. Aussi. Hein. C'est, ah, possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Oui, oui. Bon, ben, ok, alors, d'accord, alors, ok. Ben, écoute, cet après-midi, c'est carré de krill. C'est un carré ou bien rougaille? Rougaille. Rougaille. Rougaille, rougaille, rougaille. Calix, vous faites une paquetière? Voilà. T'as arrêté un petit peu timide? Là, tu fais la bière partie, ça. Il y a les maïs au matin. Ben. Paris Saint-Malbar, les maïs ce matin? Ben. Là, vous avez fait des bons yams, hein? Ah non, on a fait de l'oya, hein? Non, mais ça fait ça, Kali. Ça fait ça, Kali? Ouais. Claude, on a quelqu'un qui arrive. C'est qui? Ça doit être Francis. Francis? Oh, je crois. Je crois le reconnaître. L'électricien? L'électricien. Oui. Francis, comment il est? Comment est Jean-Claude? Bien? Là ou même? Hein? Francis, Francis, les lèvres. Femme? C'est là, Claude. Quoi? Ça fait plaisir de te voir. Ah ben, c'est bien. Ah, François, tu es bien habillé celui-là? Ah, toujours, ah, toujours. Hey, François, tu as toujours un la Lacoste, Sylvie. Toujours un la Lacoste. Ça, c'est Yann. Classe. Yann, bah, vous connaissez tout le monde, hein. Et puis, il y a Elodie là-bas. Bonjour. Eh ben, il y a souvent des gens qui m'ont regardé l'émission, ma vie. Eh, Elodie, bah, les gars, tu es là? C'est ça, Marie. Bon, ma vie. Je dis bien, alors. Ah, bon, d'accord. Ah, d'accord. Ah, ça va, ouais. Bien regarder, hein. Ah ben oui. Les oignons. Les oignons dans où t'es krill, hein. Ouais, t'as le krill. Créole, regarde, nous on dit, là, ils s'agirent. Il fait dans, nous on fait dans. Et nous fait quand j'aurais nous, j'aurais nous de camarades. Chevaquine, nous comme là, nous krill. 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 Ouais. Bon, chevaquine. Ça met ça. Chevaquine. Joignons dans le chevaquine. Là, comme la morue, ça. Hein? La morue, il faut les coller au fond. Ah ouais. Oui, t'as lu. Ouais. Après, on met tomate et des cols. Normalement, c'est un petit guêpe, ça. Oh. C'est un petit guêpe. Mais on guêpe là en hiver. Ah, mais les rats, les rats. Ah, mais krill. 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 Vous connaissez krill ou hein? Vous connaissez krill ou krill, c'est quoi? J'ai cru t'aimer. Là, tu fais caloupiné, l'étain, caloupiné, et un catéphile et avec l'ail. Ouais, d'accord. Ouais. Le krill, là, français. Krill, c'est quoi? Chevaquine. Ah, ok. Chevaquine, là, c'est des petites crevettes, des petits crevettes. Allez. Ici, nous, on a le vrai chevaquine, le chevaquine à gros ventre. Le chevaquine à gros ventre. Voilà. Hein? C'est ça, le vrai chevaquine. Du tomate. Ah, un petit peu la chair de tomate. Et l'âme salade, tomate. Et vous mettez pas de tomate normale, pas de tomate naturelle. Vous mettez aussi un petit peu de tomate naturelle ouais. Pas beaucoup. Ouais. Pas beaucoup. Moi, il décolle. Voilà. Il lague un petit peu de l'eau dedans. Et puis, hey. Voilà. Voilà. Et comme un petit rougaille, quoi. Hein. Pareil. Hein. Bon, là, il a pour cuire, là, ça fait un bail. Mais bon. Le poulet est bon, y'a alors. Mettez à terre. Le rôti. On l'a laissé les cuire. Ouais. On l'a fait avec le radio. Zangui, Zangui de l'autre côté, pourquoi fait cuire? Zangui fait là. Ouais. Parce que je change de moi à la lune. Hein? Il va venir avec du papier, il va venir à brouiller. Il vient à une aile là. Voilà, donc Ali est bon, hein? Ah, il est cuit. Ali est cuit là. Hein. Comment il est passé, Ali? Comment il dit ça? Sacouillage. Hein? Fais un petit coucou à Eric comme d'habitude hein, quand nous sacouille. Hein. Ah ouais. Le groupe sacouillage. La sacouillage. Là où ça couille, lui ou là? Eh, mais fais le coucou à Eric, tout de suite! Coucou Eric, ça couillage, hein! Là, ça couillage! Ah là! Bon, là, ok! Goûte-ci les cuits! Ah, où le goûteur? Ah, où il est cuit! Il est cuit? Ah oui! Il est chaud aussi, hein? Il est très chaud! Il est chaud, hein? Maman! Eh, Malba, il mange dans le fait! Les oreilles immenses, ça fait chaud! Regarde comment il est rouge après! Tout rouge. Ah, tout rouge, hein.
Là, ça prépare un petit croquette poulet. Croquette poulet. Ouais, un petit l'entrée. Les petits sacs pour les croustillants. Ouais. Et comment ça ce œuf là? Il faut mettre un œuf même. Ah bon? Oui. Un œuf. Un œuf. Après dans le 10, maman va vivre avec les œufs. Non, le 9 même. Là, c'est fou. Alors. Là pour commencer, ma la coupe, c'est la zèle, hein, la zèle, petit cuisse, tout ça. Oui. Ma la couper. Après, là dedans, on a la farine. La farine, et mais la farine, elle est un peu spéciale, ça. Voilà, on a la farine et une farine de beignet. Et ça, on mélange avec? Voilà, là, tu mélanges. Et comme ça. On tient dans la boîte comme ça. D'accord. Là, on mélange avec. Ouais, ouais. Avec la farine. Après. Vous mettez pas bon peu, un petit peu, un petit pincé safran. Un curcuma. Ouais, curcuma. Pas beaucoup parce qu'il devient jaune facilement. Voilà. Vous donnez un petit peu la couleur, le poulet. Oui. Ensuite. Poivre un petit peu. Ouais, un petit peu de poivre. Pas beaucoup, hein. Un petit peu de poivre. Là. Un petit pincé de sel, deux petits pincés de sel. Ouais. Et là, tu vas aller. Mélange avec bien. Ouais. Et il faut vraiment avoir le. Ah oui, si, voilà. Il faut avoir. Et ça, ils trouvent pas tout ça? Carrefour, tout ça, ils trouvent? Un petit peu. Oui, Carrefour plus Score. Ça fait un petit peu la pub, la Y, la plaine Saint-Paul. Tout ça m'y habite. Ouais, 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 ouais. La Y, la plaine Saint-Paul. Allez, tout le temps, on est là, oui. Un peu partout, hein? Un petit peu partout. Là, mélange aller. Ouais. Après, pour la farine, il y a le poulet, ouais. Mettre un œuf. Dans le poulet. Voilà, hein, directement dans le poulet. Et là, il y a un petit peu. Là, on mélange bien. Voilà. Mélange allez bien. Ouais, pour mettre la pâte, il y a bien dessus le poulet. Là. Voilà. C'est un jeu d'enfant, hein. Trempe à l'air. Trempe un peu dedans. Voilà. Vous mettez à l'air, là. Voilà. Oui, et vous mettez là. Le temps. Voilà. On marmite déjà au feu. Là, on met une marmite au feu avec de l'huile dedans. Voilà. Là, on met une huile les... bien chaude. Bien chaude. Bien et ensuite, on prend le beignet. On met dedans. Voilà. Donc, il n'est pas appliqué. Voilà. Mais il ne fait pas aller. Il ne fait pas tout de suite le petit plateau. On met quand il est bien chaud. Sous la galette dedans. Voilà. Mais comme il dit, le secret, c'est ça. C'est ça. S'il n'a pas ça, avec la farine tout seul, il n'est pas bon. Ah, il ne croustille pas. Là. Et avec ça, après, un petit sauce spécial. Et ça, c'est quoi ça? Petit sauce piment vert. Hein. Spécial, piment. Ouais. Mais la bouteille, ta, elle est bien pimentée. Hein. Oui, ça, c'est Yann, ça. Ouais, c'est ouais. Josette. Bien pimenté. Et ça, on mange ça avec vers la fin. Voilà, on peut pas aller. Voilà, le petit sauce, on peut pas aller avec. Mieux revient un instant qu'on met dans l'huile. Les bon. Ok, pas de soucis. Mais bon, mais ça, on a un peu banal là-bas parce qu'il y a des choses fortes d'ailleurs là-bas. Il entend, là, bien sûr. Il se passe quelque chose, mais il rate quelque chose. Mais ça, on va le faire. Il a juste arrêté même là. Mais bon, on va finir alors. D'accord. Calé, qu'est-ce que ça fait là? Eh, là, on a des anguilles trop de fer, là, mais ça, là, ben, ici. Ouais, après, on a goûté. Trop de fer, hein? Trop de fer. Où tu vas, qui n'y va? Mais là, ça l'est. Là, c'est mijoté comme ça. Mijoté, réduit, calé, sec. On met à terre. Ah, donc, Ali, il faut les secs. Hein. Pareil, bichique, hein? Pareil, bichique, hein? Pareil. Mais c'est quoi ce A380 là? Mais là, on dit là. Passager, on a bon peu passager. Un bon peu passager. Et Ahmad le laisse à terre, moi il mène. Et Ahmad fait la grève, où prend un transport. Moi il prend son, voilà. Son passager. Voilà, on ça avec. Tout le monde. Ça, il fait ça au moins. Au moins il écrase pas. Parce qu'il a quelques kilos d'anguilles. Hein. Ah, ouais. Il a 5 kilos, ouais, paraît-il. 5 kilos. Et Claude connaît un rayon, puisque c'est Claude à nettoyer. Oui, et j'ai cru peser 5 à 6 kilos, moi, tu vois. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Et parce que tu aimes pas ça, les anguilles, toi, hein? J'aime bien les anguilles, mais j'aime pas trop les éplucher. Les tripotés. Les tripotés, j'ai dit. Mais il n'y avait pas beaucoup de tripes, parce que c'est Calix qui a enlevé les tripes. Ouais. Mais on tripote quand même. D'accord. Et Francis, ah oui, il y a des anguilles, où? Pof, pas tellement, mais goûte. C'est pas au plat. Non, c'est pas mon plat. Elle nous déroule pareil, nous, non? Mais mange-moi. Ah, bon,
premier morceau, deuxième, après, je me pense à autre chose. Mais heureusement, un bon rôti coq là, hein. Un bon rôti coq. Ah, mais pareil, moi aussi, même bien zangui, mais avec modération. Voilà. Hein, comme et l'alcool, avec modération. Hein, tout à fait. Voilà, voilà. Toi aussi, non? Oui. Hein, et j'aime bien les anguilles, mais de loin, tu vois. Non, mais créole, j'aime bien les anguilles. Créole, j'aime bien les anguilles. Beau car les anguilles, mais bon, hein. C'est un produit pays. Voilà. Alors, hein. Et les anguilles aussi, il faut boire un petit rhum citron à côté pour accompagner. Non, ouais, il dépend des personnes. Il dépend des personnes. Pas tout le monde. Ah bon alors. Mais là, goûter t'as rien qu'à la passe à table, hein. Moi, mais pour faire, comme il mange un carizan anguille, c'est un bon vin. Un bon vin, ouais. Les bons alors. Et tu l'es chaud? Bien, bien chaud. Tu connais comment il regarde? Comment lui savoir comment de lui les choses. Tremble le doigt dedans. Non. Ça, c'est une solution, mais pas pour moi. Maintenant, tu fais l'eau dedans. Non. Viens lui montrer. Crache dedans. Regarde. Non plus. Regarde. Et regarde pas trop près. Non, parce que ça va qu'on met une tête dedans là, soit ou bouge là de l'huile est chaude. Ah, comme, bon. Ah oui, c'est comme ça ou là si l'huile est bien chaude. Ah ouais, mais là, si vous dites ça, et que tout le monde ça y fait, vous allez mettre votre tête dans l'eau chaude comme ça là. Hein, attention seulement, hein. Attention. Hein. Attention. Ouais. Après, c'est une habitude. Ouais. Bon, là, on commence à regarder avec les doigts même. Hein. Ouais. Ah oui. Hein? Ah, là, oui hein. Si l'huile n'est pas chaude, ben il y a bien pas aussi ces petites bulles là. Voilà, il croustille pas. Il croustille pas. Parce qu'en fin de compte, la pâte n'a le temps lâché. Oui. Et il ne croustille pas. Il faut de l'huile vraiment, les vrais, vrais, comme moi là. De l'huile, il chante. Ouais, ah, l'huile, il chante. On entend là ? Voilà, nous voyons. Vu que le pâte a une musique, c'est moi. Hein. Et là, on a vu qu'on le mettre quelque chose avec un papier absorbant dedans pour absorber de l'huile. Hein. Ah oui, il faut parce que là, à mon avis, quand il va sortir de là, il pourra bien imbiber. Hein. Ah, oui. Même parce que l'huile est dure, l'huile est un peu imbibée, mais il y a comme dans aussi, hein. Avec la vapeur même. Avec la vapeur même, hein. Et ben nous mangera quand même un peu d'huile, hein. C'est sûr. Non, hein. Non. Pas trop. Bien sûr, non. Ouais. On va prendre l'huile de qui, n'inquiète pas ça. Mais ça c'est une recette chinoise, ça, non? Hein? Ben. Un peu chinois. Mais connais les fritures, ça ne se fait pas à tout. Hein. À Mayotte, on fait beaucoup de fritures. À Madagascar, on fait beaucoup de fritures aussi. Un petit peu dans tous les pays. Hein. Ouais. Et puis créole longtemps, toujours fait un peu de fritures avec son beignet fouille à pain, son beignet pommes de terre et tout ça. Hein. Ben ok alors. Un voilà, petit beignet, un peu de poulet croustillant. Ouais. Un petit l'entrée. Eh, mais vaut mieux faire ça que d'aller acheter bonne beignets déjà fabriqués qui vendent dans des grandes surfaces surgelées et qu'on mette au micro-ondes, hein. Ah, oui. Ça, c'est pas créole, ça, non. Ça, c'est fait maison, ça. Là, c'est fait maison. Voilà. Et vous l'avez vu, elle est rapide. Elle est rapide. Hein? Ben voilà. 380, là. Mettre kérosène. Mettre kérosène. Et ils rentrent kérosène dedans, là. Ah. Ah, on a 5 non, dollars. Mais Claude dit mais pas trop d'huile. Mais l'huile d'olive, c'est pas l'huile d'olive, c'est la vie. Et puis, la quantité, ben, il y a quand même 5 kilos. Hein. Il y a 5 kilos. Voilà. Ouais. Parce que si vous ne voulez pas mettre de l'huile, là, ça mange en dit bouillie. Ouais. Et vous faites revenir un peu les anguilles, là, alors hein. Non. Ouais. Des épices, comme poisson. Comment poisson, alors hein. Vous faites massaler, fait créole. Azote. Ah, c'est créole, avec ça, c'est créole. C'est comme créole. Tu veux. Pour avoir le bon goût, c'est créole. Créole, alors. Bon, créole, alors. Bon. Hein. Bon, nous, c'est grillé, bon, on va toi, faire c'est créole. C'est grillé, toi. C'est pas mauvais, hein. Ah, non, mais c'est très bon. Ah, oui. Quand on mange grillé, on fait grillé. Mais on ne trempe pas. Non. Et on les plus. Avec du citron, mais pas avec des oranges, parce que Yann a ramené des oranges, là, hein. Et. Je sais pas, moi, il y a tout ça sur le terrain, là-bas. C'est un pays. Hein. Et Yann, il habite où? Yann, il habite pas à Saint-Paul. Il habite à Saint-Paul, mais il va déménager, il va habiter à la Chaloupe. Parce que Casse-Créole Construction est en train de faire sa maison. Et il a fallu enlever toutes les pieds de citron, les pieds d'orange. Hein? Bien. Ah ouais. Moi, c'est la Chaloupe, c'est un endroit où on connaît bien ou ça? Ah, bien. Beaucoup travaillé, ouais. Beaucoup travaillé. On a fait beaucoup de réseaux électriques. Et déjà que Bouglès habite la Chaloupe Saint-Leu, frère. Mais il fait beau là-haut. Ouais. Bon. Bon, là-bas, moi, Brugnon. La population, quoi. Bon. La population, quoi, bon. Hein. La population, puis bon, c'est comment? Là-bas, il était dit au bon, je tiens sa peau. Là-bas, il était au bon, tiens sa peau. Là-bas, il a beaucoup de temps. Il a beaucoup de temps. Ah ouais, le temps donne. La Chaloupe. Donne cachia. Donne des. Comment? Zakachia. Zakachia. Ah, mais on a beaucoup de temps. On monte là-haut, beaucoup de temps. Ah bon? Qu'est-ce qu'on met dedans là? La trépiche, le pain. Comment il dit ça? Un bouquet. Un bouquet garni. Un bouquet garni là dedans. Hein. Les oignons. Là aussi, on a entendu le bruit là. Ça, c'est un bruit. Et là, 380, il décolle sur ce bruit là.
Yann, comment quoi vous avez mangé bon? Il est parti là. Il est parti? Ben. Voilà, si on en met encore, la chair de tomate. La chair de tomate. Ben. Ouais. La chair de tomate. Bon, là, ça met le sel. Ouais. Toujours gros sel. Toujours gros sel, voilà. Ouais. Là, on a déjà mettre un petit peu de l'eau dans le marmite de chair à tomate. Hein? Ouais, ben, c'est ça. Et là, c'est gros sel. Hein? 5 kilos, 5 kilos, 1 kilo. Je viens d'aller là. Ah, on a de l'eau dans le fond. Ouais. Ma vie passe haut, hein. Eh, elle est bonne là. Tu veux que je te tienne là. Et normalement, il faut l'étaler au fond. On va lui prendre toute la sauce là, ouais, ouais. Tout le morceau en même temps. Voilà, ah, maman, il cuit avec son l'eau, les anguilles. Pas besoin d'ajouter de l'eau là-dedans. Nos belles bouillons anguilles. La tête les dire, bonnes anguilles là, la tête les dire, ça. Attention, on en a des élèves, il n'y a pas les anguilles de classe. Ah. Le toto c'est ça. Il y a un peu de bonnes anguilles. Yann, qu'est-ce que tu fais là-dessous? Mais t'as pas de fil? Ouais. Non, t'as envie de dire, t'as envie de faire ça. Ça couille, ça couille. Non, allez, pas besoin de ça couille. Allez, dire. Je l'ai fait. Laisse aller l'âme, son vieux. Et où tu vas, qui est bon, là, non? Tu vas qu'il de l'eau là, il faut le sec. Il faut le sec tout l'eau là. Ça même famille, ça, c'est ma qu'il en vient. C'est parti, là. Oui, oui, oui. 2-3 minutes, il est bon, il est bon. Il m'a pas vu où ça couillait. Ah, ça couillait. Là où ça couillait à coup. Ouais. Ah, ça couillait. Là, il est bon, il y a, hein. À la sauce, là. Ah, ouais. Pour 20 minutes pour les misoter. Ah, là, on va remettre avec un petit peu sur le feu, alors. Hein. Mais pour ça couiller, ou tirer sur le feu, alors. Ah, obligé. Grâce, pas lié, bim, pas lié. Les bons, alors. T'as pas envie, finger, c'est le coup. Finger, c'est le coup. C'était quoi le petit plus dans le Baba Fig? Dans le Baba Fig? Parce que moi, comme avant, il avait un petit plus. Oh, ouais, même il dira pas haut parce qu'il paraît son secret. Bah, faut faire goûter à nous, hein. Ah, t'as, tout le monde connaît là. Comment il va l'envoyer? Yann. Yann. Quand il fait goûter à moi le Baba Fig? Dommage, tu n'es pas là. Et vous connaissez le fait que ça, mon mari? Bon, ce piment là, la sauce là. Vous connaissez? Dis-moi, je mets les ingrédients, moi. Dis-moi, je mets maman. Mais là, là, nous, ça, pour l'émission, nous avons fait le même carré, tu sais? Non, il faut pas. Mm-hmm. Parce que connaît les absents, toujours tort. Non. Il aurait dû être là. Hein, Elodie, il aurait dû être là. Hein? Nous avons fait le Baba Fig. Ben. Nous sommes le viande, peut-être. Jamais, mais Diao. Ah, le viande. Ben. Bon, on fait la prochaine fois, allez, bon. Ça, c'est fumé, c'est bon. Ça raconte une petite histoire, moi. Raconte-moi. Jean-Michel Adnet, la sorte est proverbe. Vous connaissez quelque chose en créole, là. Il déforme un peu. Ouais. Galix, me dis, hein. Djali. Hein? Michel Adnet, que ça veut dire? Ben, Djali. Il a dit, mon premier vit dans la mer, dans la rivière. Non. Premier prénom. Zangui t'a coulé. Mon premier, c'est prénom. Non, mon premier, c'est légume. Ah ben non, t'es... Ah bon, diable. Ah bon, allez, Christian, vous connaissez. Mon premier, c'est un prénom. Oui. Mon deuxième, c'est un prénom. Oui. Et après, comment dit Montou? Ouais, Montou. Montou, il vit dans la rivière. Zangui. Mais ben, il dit des prénoms, que c'est il est. Ouais. Donc, c'est Zangui. Jean-Bagui. Jean-Bagui. Après, hein, tu connais Zangui, toi? Oui, oui. Il est un autre, lui. Ah. Il a pas un devinette. Ah. Il a dit, mais pas un certain devinette, Zangui, hein. Ah, ben ça, c'est Michel Almette, cause comme ça, t'as vu? Il a dit comme ça, il a dit. Mon premier, c'est un légume. Mon deuxième, c'est un légume. Comme ça, il est. Ben, il dit, il ne connaît pas. Ah. Ben, c'est assez, ben, il dit, c'est pas quel nom. Il a dit, non, mon tout, là, il met, tiens, l'auto. C'est une voiture. Et.
ah bon? Ben là, il dit, ah bon, il dit... Après, il m'a dit, de la folie, t'es un petit peu plus... La tête, t'es un petit peu plus affaire, il dit... Hein, des légumes là... Carottes... Le chou. Le chou. Hein, il a dit, carottes chou, carottes chou, mettre... La rouleau. Là, il va loin, là. Bon, ben, qu'est-ce que ça fait, là? Ça passe à table, non? Elle nous dit où? Plat est bon ou salade est bon? Super affaire. Le riz, on peut pas finir. Je vais me marier, on vient faire mon. Regarde ça, le petit sauce. Avec... On a fait deux sauces là alors. Ça, c'est la sauce. Comment il ouais. Il m'a fait pour le poulet. Ouais. Et ça, c'est la sauce. Petite sauce. Allez. La moutarde, voilà, une sauce vinaigrette à la moutarde pour la salade. D'accord. Elle accompagne mieux le poulet. Mais ça sera bon, hein? Ah, ça sera bon, lui. Bon, ben nous dis, ben, nous passe à table, alors, du bon? Ben, à table! Eh ben, la cuisine est finie! Calix! Oui! Quand ça l'arrivée d'aujourd'hui, la cuisine est en retard? Non! Regarde qu'il a élevé les 3 heures, t'as l'air! Jean-Claude! Hein? Jean-Claude! Ah, ouais, mon monde, il avance toujours un petit peu, lui. Ah, vous connaissez un beau monde d'un patron, il avance toujours un petit peu. Il est en retard? Il avance! Non. Hein. Moi, en retard. Retard. Ah bon. Peut-être, alors. Mais les bons. Bonsoir tout dit. Bonsoir pas bonheur. Alors, eh ben, Elodie. Oui. Eh ben, tu m'as mis là, fin là, au vide elle est. Oui. Hein. Pour manger son doigt. Manger son doigt. Nous avons Yann avec nous, Elodie avec nous, Francis avec nous, Christian avec nous, Calix avec nous. Et puis que c'est les oreilles là? C'est les oreilles. Je me demande. Ah, Claude, Claude nos oreilles. Avec nous. Alors Calix, aujourd'hui c'était quoi? Aujourd'hui, nous fait un petit rôti poulet. Ouais. Nous fait un petit rougail sévaquine. Ouais. Comment on dit ça? Krill. Krill. Rougail krill. Rougail grill. Et nous croisons un petit peu les oreilles ici, nous on dit, hein? La pièce aujourd'hui, c'est le carizangui. Ça, tu portes la pièce, c'est le carizangui. Zangui sort trou de fer. Ouais, trou de fer là-bas. Trou de fer. Et pareil, ça va pêcher en hélicoptère, hein? L'hélicoptère dépose à nous. Il trappe Zangui, nous appelle l'hélicoptère, nous remonte à 40 kilos. Ah. Non, à moi, mieux. Bon. Yann, mais que les passés, les vrais, hein? Ça, c'est juste toi, Calix, hein? Non, le vrai. Ça fait manger quoi ça? Manger de faim, hein? Ouais, comment ça prendrait qu'un baleine, il mange ça à l'écrile. Je sais pas qui, quoi. Depuis moi, le goût de ses apports, maintenant, il mange l'anguille. Ah bon, il a même goût? Même frère, même famille. C'est pas fait pareil. On va les griller. C'est pas grillé. Ouais, Elodie, vous mangez les anguilles ou? Jamais goût de anguilles. Comment ça se fait? Mais là, où est l'ennui ou la zandie? Comment ça fait là? Il va goûter parce que. Les jolies, hein? Les jolies. Voilà. Les jolies. Franchement, les jolies. Yann, veut dire qu'on fait jamais fait cuire l'ennui? Non, jamais. Ma fille, mangez, moi. Oui, mais jamais fait cuire. C'est que ça, trop de fer, j'en ai mangé. Trop de fer, non. Zandie, trop de fer, non. L'hélicoptère, il prend l'hélicoptère. Donc, l'hélicoptère, il coûte cher ça, parce qu'il faut aller enlever le cocktail pour te rappeler. Jean-Claude, ben où l'arrivée alors? Bah oui. Attends, là, côté à la rivière. Hey. Pour longtemps, il mange zanguille, parce qu'avant, oui. Moi, il n'aime pas ça, moi. Vous connaissez le zanguille, là, il est un peu comme dans le film Le Roi Lion. Il est gluant, mais il est pas si appétissant, vous comprenez? Le malang, il appelle ça. Donc, malang. Zanguille, c'est pas trop mon affaire. Oui. Même ça goûter. Mais la prochaine fois, mettre de tête quand on mange ailleurs, là, ou dit. Je mange Jean et je mange Guy. Les bons alors. Les bons ouais, en plus, mon camarade s'appelle Jean et mon autre s'appelle Guy. Moi, c'est Jean-Guy. Vrai. Non, la poêle s'appelle Jean-Guy. La poêle, mais les bons. Bon, nous passons à table alors. Bon, mesdames et messieurs, bon appétit à tous. Merci, bon appétit. Viens, bon appétit. Paris, une petite entrée avant, une petite salade, Elodie. C'est pas une petite entrée, c'est une grande. Oui, et Elodie. Oui. Là. Toutes les semaines, nous passons si balance. Je ne veux pas ni obèse, moi. Hein. Et là, c'est qu'on a fait le petit plat là avec cette nana. Vas-y, mange en Guy là. Il fait maigrir. Mange la quand tu te veux, il fait maigrir. Ben. C'est un Zangui, ça boucle. Oui. Et ça boucle à vous. Oui. Non, Zangui, ça mal. Zangui, ça mal. Ça a mal, ça. Mais il ne tourne pas la tête. Hein. Il tourne pas la tête. Non, ben, ah, aussi, vous voulez maigrir. Prends le Zangui, ça boucle. Ça boucle. Bon, on passe à table. Hein. Bon appétit, allez, tout le monde, Jean-Claude. Les beaux collègues, c'est où là, là? Moi, c'est à moi, mais midi, où tu joues, Jean-Claude. Moi, c'est pas. Écoute ça, tout mani. Ouais, c'est pas un club qu'on est là. Ne fais pas d'affaires comme ça, René. Ça les. À cause de parler à Toumani ou Toumane. À Toumane. Non, t'es. Zam.
Sam-sam. Ok, mais combien de noms, Maïla Nenadon? Hein, Francis, t'as combien de noms? C'est un autre langage quand on a le téléphone, ça. Ah bon? Et le vrai, chez Jean-Claude, fait pas une affaire comme ça, là. De toute façon, on n'aura pas d'idée comme ça. Et là, nous décomprenons, nous vivons un peu. Garde un peu la nature, garde la rivière, tout son val, toutes les affaires. Hé, hey, mon bon camarade, il dit tout le temps, mais les déchets, quand il y a l'Austral. Ben, accompagne-moi un petit peu. Ben. Ça me finira pas, moi. Hé, hey, m'a profité, m'a dit un petit coucou, mon bon mécanicien, répare mon loto, bon neuf coco. Hein? Pas champné. Les bons alors. Monsieur Lambert, c'est travailleur. Ah, coucou ben. À Zot alors. Coucou pour Zot. Les bons bon alors. On a la passion pour le pneu. Pas champné. Voilà. Passion de pneu, parce que le pneu, c'est une passion. Ah ouais, fais pas le pneu comme ça. Voilà, chevaquine. Le plus simple est meilleur, même. Voilà, hein. Et puis après, rôti poulet. Hein. Un soulier sans talon. T'es jamais vu un soulier sans talon. Des oignons. Des compos. Des oignons à côté. Et nous, dans une émission de cuisine, normal, les oignons à côté. Hein? La pointe, hey, la pointe du la tout. La première fois qu'on mange quelque chose. Claude. Alors? Ah non. Bah. Alors? Non, dis-moi. Alors. Non. Je suis subjugué parce que j'ai jamais vu ça. Jamais vu des chaussures sans talons. Wow. Hein? Mais comment marcher avec ça? Demande Elodie. Les comme avait chose spéciale. Allez. Bon ben c'est sur les talons de chaussures d'Elodie que nous quittons nous aujourd'hui dans l'émission de cuisine, hein. Là, ils sont pour le fromage. Ils sont pour le fromage. Ah bon. Parce que la pantalon. La pantalon. Ouais. Et Calix, merci beaucoup, hein. Merci. Nous retrouve la prochaine fois. Merci au même. Merci pour le zangui, le rôti poulet. Le rougail chevaquine. Ouais. Bisous. C'est pas Canal Austral, n'est pas là, non. N'est pas là. Piment.tv. Ben, les bons alors. Coucou tous les amis. Allez, nous retrouvons la prochaine fois. Allez, au revoir. Allez, cette émission vous a été proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères à La Réunion.